Bevrat Hashem, aujourd'hui on va lire la quatrième lettre du livre Ibn Achal, les lettres de Rabbi Israël au dessert. Bevrat Hashem avec l'aide de Dieu, le 3 Shvat, Tavshin Yutret, Tibériade. Yevod Baal Nefesh Ashira, Yekara Biknim Anaim. En l'honneur de celui qui a une âme qui est très chère, plus chère que des pierres précieuses. Mon ami, Ishmereu Hashem Ichaskehu, que Hashem il le renforce et qu'il le fasse revivre. Leorech Yamim, Besova Semachot Neimut Netzach. Que Hashem il le fasse vivre une longue vie dans la joie et dans la plaisance pour l'éternité. Et Simchat Lev, de Oneg Nefesh Rav, Ayali Asiba, Meashgacha Eliona, Shizachiti Levaker, Bechalo, Beshevet, Achim, Gamiachad, Belev Echad, Lev Emet. Donc j'ai pris un grand plaisir et une grande joie que la providence supérieure, suprême, elle m'a fait le connaître, et qu'on puisse être ensemble. D'un cœur de vérité, qu'on veut la vérité. Itragashti meod, donc j'étais très très content. Alayachas alevavi, behemet, pour en raison de la façon qu'il s'est comporté avec moi. Behemet, on marlo kineni messia daati menu. Car je vais te mettre au courant que tu quittes pas mon. Tu ne sors pas de ma tête, jamais je t'oublie. Ou Nerkat, Belibi, ou Mochi, Tamid, constamment je pense à lui. Il est gravé dans mon cœur, dans ma tête constamment. Vech Eske, les galotes, ou les Aïrlo, Oradat, et comment est-ce que je méritais de lui éclairer la lumière de la connaissance? De la lumière des lumières, chez l'or à Orot, c'est qui la lumière des lumières? Aganouz et Tafoun, chez le Rabbeinu Akadosh Zatzal, qui se trouve, la lumière de Rabbeinu, notre saint maître, Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, Amir Bechol Aolamot, cette lumière qui éclaire dans tous les mondes. Ineni Sholeach lo Kamak Taim, Misichotav Akdoshot, maintenant je vais lui envoyer quelques passages des discussions saintes de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev. Amar ani olich etchem bederech hadash shelo haya meolam. Il a dit comme ça, Rabbi Nachman, je vais vous amener sur un chemin nouveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ech efshar shelo yachloku alai, ma'achar shani oler bederech hadash shadayin lo alach adam bo meolam. Comment c'est possible que les gens ne vont pas s'opposer à moi? C'est tout à fait normal puisque j'amène les gens dans un chemin nouveau que personne n'est jamais allé dans ce chemin-là. Vegam A Baal Shem Tov, il a dit, même le Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov, son arrière-grand-père, il a dit, lui-même il n'est pas allé sur ce chemin-là. Mais Shumbrialo, et aucune créature non plus n'est pas allé sur ce chemin-là. Va Afalpi, Shuderech Yashan, Meod, Afalpi, Renu Khadash, les Gamre. Et malgré le fait que c'est un chemin qui est ancien, malgré cela, c'est un chemin qui est complètement nouveau. Amar, Ima, Baal Shem Tov, Shomea Torati, Aya Shomea Torati. Aya etzlo gam ken chidush. Si le Baal Shem Tov il avait entendu l'enseignement de Rabbi Nachman, pour lui ça aurait été aussi une grande nouveauté. Im aya Rashbi shomea Torati, aya gam ken chidush gam az. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, si lui aussi avait entendu l'enseignement de Rabbi Nachman, pour lui aussi ça aurait été une nouveauté. Ani rotse legalot ulachnis ira be'anashai. Je veux dévoiler et rentrer dans mes élèves une crainte. Ira niflash adai lo haita ira kazot ba'olam, c'est la crainte de Dieu qui a jamais eu dans le monde. Amar inyan el fursalim shel sheker, il a dit comme ça Rabbi Nachman au sujet des popularités du mensonge. Ki al abal davar kashe meod litroach im kol ha'olam latotam iderech hayashar. Le Yetzera, il a dit comme ça Rabbi Nachman, il a du mal le Yetzera à dévier tout le monde du droit chemin, du chemin de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça qu'il a mis quelqu'un de populaire à tel endroit. Ou quelqu'un de populaire ailleurs. Amar,
C'est pour que ces gens-là, ils éloignent les gens de la vérité. Amar anshei shlomeinu, anshei shlomo, shikashe lahem sharimu et atzmam le'anig barabanut. Il a dit au sujet de ces gens, de ces élèves, qu'ils ont du mal à prendre une direction, d'être rabbin. Veitnasut, donc même prendre des postes, être, avoir un poste quelconque, ils ont du mal. Mais Hamal, shiknasti ba'em, emet arbe yoter midai. Du fait que je leur ai rentré beaucoup de vérité, plus une trop grande vérité. Yoter midai. Le plus bas de mes élèves, je le dirige sur le chemin d'un grand tzaddik, d'un très très grand juste. Celui qui va se rapprocher des élèves de Rabbi Nachman, ne serait-ce qu'il va toucher un de ses élèves, le vadaï yeish kasher be'emet. Celui qui va avoir le mérite de se rapprocher d'un élève de Rabbi Nachman, alors c'est sûr qu'il sera un homme intègre pour de vrai. Velo ish kasher bilvad, pas seulement un homme kasher, qui im afilu tzadik gadol meod, mais aussi un grand juste. Yeli shiizkei litkarev l'anasha shim sheli. Amar ani nahar mitayer mikol haktamim. Donc, celui qui va se rapprocher des gens de Rabbeinu, ce sera un grand juste. Et Rabbi Nachman l'a dit, je suis un fleuve qui nettoie de toutes les tâches. Ani ilan nae venifla meod imanafim niflaim meod. Je suis un arbre, un bel arbre et merveilleux, et très merveilleux, avec des branches merveilleuses, très merveilleuses. Ou les matins, ni mon arbre arrête ma marche, et en bas, je suis posé sur la terre elle-même. Il m'a été rosé les galotes, mais été. Si j'avais voulu dévoiler quelque chose de moi, ayu kol haolam rasi macharai. Tout le monde y courrait après moi. Ani odia beverush, ani mani gador yachidi baolam. Je sais d'une façon certaine que je suis le seul dirigeant qu'il y a dans le monde. Vel mané kamoni, il n'y a pas un autre dirigeant comme moi. Od yezman shetiu mitgagei meod, al shaya biyedchem chidush nifla kaze. Il viendra un temps que vous languisserez après, que vous languirez beaucoup, sur le fait qu'il y avait à proximité de vous. Chidush nifla kaze, une telle nouveauté, ve'azavtem oto, et vous l'avez laissé. Dehoulé. Var gamarti ve'egmor, et j'ai déjà fini et je finirai. Le'atid yeh kol ha'olam anshei Breslev. Dans le futur, tout le monde sera des Breslev, des chassidés Breslev, des chassides de Rabbi Nachman. Ve'natati lachem lev hadash, lev basab. Et il y a écrit dans la prophétie, et je vous donnerai un cœur de chair. Otiot Breslev. C'est les lettres Breslev. Abad Dava, Midgaber ala Adam. Le mauvais penchant, il se renforce sur l'homme. Veno mania roto litkarev et la tzadik haemet. Il ne laisse pas la personne se rapprocher du juste véritable. Shememenu yodki makol, que de lui tout le monde puise. Ar kozman shu adain betor klal Israël. Mais tout le temps que la personne elle fait partie de l'ensemble d'Israël, qui ne perd pas son identité de juif, cette personne-là, elle a encore de l'espoir de se rapprocher de Dieu. Chacun il devra s'efforcer de se concentrer avec son intelligence, sa connaissance, de reconnaître la grandeur de Dieu dans chaque chose de la création. Adacher yavol iprinat atachlit shel oto davar, jusqu'à ce que la personne elle arrive à la perfection de la chose, de cette chose-là. Uktaner erkamonu, et des gens en bas comme nous. Shekulano bemadriga pruta meot, que nous on a un très très bas niveau. Shemiefchar lanu lavol idiazot, que nous on ne peut pas arriver à une telle connaissance. Yesh lanu lichsov lichtoket meot. On devra beaucoup se languir et espérer
Miten vayalanu manigador, weneman, qu'on mérite de s'approcher d'un juste dirigeant, du vrai dirigeant de la génération, weneman, un bon berger, shiuchal la'ir gam banu yediat v'asagat abore, qui pourra nous éclairer aussi dans nous la connaissance et la perception du Créateur, l'abore bara. Vishu masach amavdil, sans aucune séparation, on puisse arriver à cette connaissance-là. Kedesh, iniske, la voie et la tachit, afin que nous méritions d'arriver à la perfection. Afilou, vishinapal, et meod, munar, vishéot, artiot, chas, vishalom. Même la personne qui est beaucoup tombée, que Dieu nous en préserve, et qui est tombée dans le plus bas niveau du chéot, artiot. Malgré cela, la personne elle a un grand espoir. Grâce au grand juste. Car grâce à lui, chaque personne elle pourra recevoir une vitalité qui vient de la sainteté à chaque endroit où la personne elle se trouve. Aken Behemet En Shum Yehush Baolam. C'est pour ça qu'il n'y a aucun désespoir dans le monde. Vaikar Umi Betel Sheol Shivati. L'essentiel c'est quoi? C'est que du ventre de l'enfer, du Sheol Shivati, j'ai crié. Gam Atzaka Mi Sheol Tartiot. Car même un cri qui vient de l'endroit le plus bas, Ena Nevedet Leolam, elle n'est jamais perdue. Veitzak. Veitzak, l'Ifne Hashem, et il criera devant Dieu, l'Ifne Hashem, Barav, Tamid, constamment, hier, chez quoi qu'il advienne, Adashir, Yashkif, et ira Hashem, Shamaim, jusqu'à ce que Hashem, il verra sa situation du ciel et qu'il va le prendre en pitié. Ikar, Shlemut, Atzadik, ou Shiyoha, Larod, Emi, Shehu, Lemala, Venidmelo, Shehu, Bemadrega, Eliona, Yemarelo, Shehu, Aifu. C'est quoi? La perfection du juste, c'est qu'il pourra montrer à la personne qui a un très très haut niveau, de lui montrer à cette personne qui lui semble qui a un niveau suprême, il pourra lui montrer que c'est tout l'inverse. Et même celui qui a un très bas niveau, le plus bas niveau qu'il peut y avoir, il peut lui montrer que son espoir n'est pas perdu. Et Gamisham Yuchal Edabek Atzmo Elav Itbaraf, même de là-bas il pourra se coller, se rapprocher de Dieu, la Shum Elav, qui En Shum Yehush Baolam Klal, car il n'y a aucun désespoir. Chochmot En Tzichin Klal, il ne faut pas du tout des Chochmot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en s'agir, il faut juste servir Dieu dans la simplicité, faire des bonnes actions. Vaikarut L'essentiel c'est la simplicité, la sincérité. Et il faut que uniquement la foi en Dieu, ou bien tzadik haemet, dans le juste véritable. Ashrei haoler betmimut, heureux celui qui va dans la sincérité, dans la simplicité. Ashrei lemi shezoche leitkarev la tzadik haemet, heureux celui qui mérite de se rapprocher du juste véritable. Ashrei lo ashrei chekou, heureux soit-il, heureux sa part. Heureux sa part. Babal Davar, Sam Libo Azel, le mauvais penchant, il s'est étendu à ce sujet-là pour empêcher. Mais oh, les Valbel et Taolam, d'empêcher de faire embrouiller le monde. Mais Kim Baolam et Foursami Marbe, Shel Sheker, il a fait qu'il se tienne dans le monde beaucoup de popularité du mensonge. Vega Ben Atzadikim Amitim, et même parmi les justes véritables. Ichnis Mahloket, il a réussi, le mauvais penchant, à rentrer des divergences, des discordes. Hachen Echad Yodea Echan Haemet, à tel point qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait où se trouve la vérité. Pam Achat Yashav Rabbeinu Akadosh Zadzal, Yachad Italido Arab Akadosh, Amagid Niterobitse. Une fois Rabbeinu, il était assis avec son élève saint, le Magid de Terobitse, c'était un grand tzadik, qui était très très vieux et qui avait des dizaines de communautés, et c'était l'élève de Rabbeinu. Et Rabbeinu était très jeune à côté de lui. Shaya Ish Zaken Vaya Mikodem Igdolet Amida Baal Shem Tov Zadzal. Et c'était un homme très vieux et il était aussi
des grands élèves du Baal Shem Tov. Chaver la Magid de Mezrich, c'était un ami du Magid de Mezrich. Le Magid de Mezrich, c'était l'élève successeur du Baal Shem Tov. Et ta face, les canaux chez la Magid, Rabbeinu, il a attrapé, il a touché la barbe du Magid de son élève, le Magid de Torvitze. Mais derrière Riba, Ve'amarlo, avec douceur, il a tenu la barbe. Et il lui a dit comme ça, Chidush kamoni od lo haya ba'olam. Une nouveauté comme moi, il n'y a pas encore eu dans le monde. Oti tzrichin kol ha'olam me'od me'od. Le monde, ils ont beaucoup, beaucoup besoin de moi. Ki ha'olam en yecholin lichyot liyot biladik la... Car le monde, excusez-moi, ki en yecholin liyot biladik la... Le monde ne peut pas se tenir sans moi. Yesh lesquels il a dit l'avzir kol ha'olam l'amuna mutav. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde ne peut pas être sans lui? C'est-à-dire qu'il peut ramener tout le monde vers Dieu. Yesh lesquels il a dit l'avzir kol ha'olam l'amutav. J'ai la possibilité de ramener tout le monde vers le bien. Lo bilvad anashim shutim, pas seulement des gens simples. Et là, filou kol ha'tzadikim v'anashim gdolim ani achol l'avziram l'amutav. Mais aussi les grands justes et les gens très très grands, je peux les ramener vers le bien. Car les justes aussi, il faudra les ramener vers le bien. Mais pas seulement Israël, le peuple saint, les juifs. Et la kol haumot haolam kulam, mais aussi les peuples, tous les peuples. Ani achol arziram l'Hashem Yitbarach, je peux les ramener vers Dieu. Vaiti achol arziram l'Hashem Yitbarach, et j'aurais pu les ramener vers Dieu. Le Olicham Samouk les dates Israël, à tel point qu'ils puissent être très très proches du judaïsme. Ar dayo l'Evel Yod Kirabo, mais ça suffit pour le serviteur de ressembler à son maître. Amar alo gam mi shenogia bi me'at afilu be'ezba kana, même quelqu'un qui touche Rabbeinu, ne serait-ce que d'un doigt, et les chers malato, on ne peut pas comprendre son niveau, tellement il a un niveau très très grand. Malachem, l'archov, marchavot, qu'est-ce que vous devez penser des pensées? Eh, la tête rimrak, la tête avanim, vessil, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'amener des pierres et du ciment. Vani, bonnet, mais eh, minyanim, niflaim, venoraim, et moi je vais construire des bâtiments merveilleux et redoutables. Ou machar, meot, evat, minyanim, et Rabbeinu, il a beaucoup. Prononcé fortement binyanim, qu'on fasse bien attention, qui m'afflige beshevach niflaot tiferet à binyanim, pour qu'on comprenne l'importance, la beauté des bâtiments que Rabbeinu il va construire, des bâtiments redoutables. Shibonei nizeh v'amar alo ani otzar shel yirat shamayim, je suis, et voilà, Rabbeinu il a dit, je suis un trésor de crainte du ciel. On m'a doit l'oyou le outim viratim acharai les câbles. Et pourquoi est-ce que le monde ne vient pas après moi pour recevoir de ce trésor là de crainte du ciel? Mais shalou auto, et ils lui ont demandé erfchar les câbles, comment est-ce qu'on peut recevoir de ce trésor là? Les shiv imapev imalev tzrichin l'artor ou l'evakesh, avec la bouche et avec le cœur on devra demander. Les justes véritables, ils dévoilent la divinité de Dieu et sa royauté dans le monde pour tous les êtres humains. Et même aux plus éloignés, qui sont les mécréants et les non-juifs. Et c'est ça l'essentiel de l'honneur de Dieu. Lorsque les plus éloignés se rapprochent du service divin. C'est pour ça, à ce moment-là, l'honneur de Dieu va être beaucoup élevé. Donc le nom de Dieu est très très élevé dans le monde. C'est pour ça que chacun devra s'efforcer de ramener et de rapprocher les plus éloignés vers Dieu. Et de la même façon, chaque personne
ne devra pas se désespérer de se rapprocher lui-même du service divin, au service divin. Mais Hamat Shintrachek Merod, du fait que la personne elle, s'est beaucoup éloignée. Mais Hashem Parar, Aïdé Khatav Amerubim, en raison de ses nombreuses fautes. Av Shirba la Sot Ara Chazé Shalom. Même si la faute, la personne elle a multiplié de faire du mal, que Dieu nous en préserve. Kadraba Kol Ma Shiur Rachom Yoter. Car, précisément, Kol Ma Shiur Rachom Yoter, autant qu'il soit loin, Aliadoïd Gadel Vod Hashem. Précisément grâce à lui, l'honneur de Hashem, de Dieu, il va être élevé. Lorsque la personne va s'efforcer de revenir vers Dieu. Car c'est ça précisément et essentiellement l'honneur de Dieu. Mais ce sujet-là, le plus éloigné, il va revenir vers Dieu, ça se fait essentiellement par l'intermédiaire du juste véritable. Si on veut vraiment, vraiment bien se rapprocher, ce sera précisément par le juste véritable. Anibatoir, je suis sûr qu'il craint à l'écoute à Zé, qui va lire donc, ce recueil-là, Beyun Rav, avec beaucoup d'attention, Biafnissem, Beomet Libo, et il va entrer ces paroles-là très profondément dans son cœur. Haïti Sameach Meod, j'aurais été très joyeux. Imaya Efchar la Shibli Aldato Alav, et Dato Alav, s'il pouvait m'envoyer une lettre de ce qu'il pense de cela. Mokiro Mechabdo Mitpalel Avur Shlomo Brioto Tamid. Donc, je t'honore, celui qui t'honore, et qui prie pour toi, pour ta paix, et ta. Donc, ta santé, constamment. Doresh Lomo qui demande ta paix, Betovato et ton bien, Behemet pour de vrai. Doresh Lom, Kol Anivema Elav, je demande aussi la paix pour tous les gens qui sont liés avec lui. Israël Dovodeiser. C'était la quatrième lettre de Ibn Achal.